Salut à tous, c'est Absolu, j'espère que vous êtes absolument bien, moi ça va en tout pour l'épisode numéro 4, il me semble, ouais 4, non 5, épisode 5 de Super Smash Bros. Brawl en anime Super Smash. On commence direct par une cinématique à Samus sans combinaison ou sans armure, ça dépend, mais en anglais Zero Suit Samus. Ok, du coup d'accord, on n'a pas le choix de perso, on a juste Samus sans combinaison. Je suis pas si mal avec, mais je suis un petit peu mieux avec Samus. Ah du coup il y a T-Rob. Il y a des T-Rob. Ah du coup faut comprendre. Ah d'accord. Attends, on va essayer d'aller tout en haut. Ah ouais, je m'en rappelle. En fait, les niveaux avec Samus, c'est en fait genre des sortes de labyrinthes dans un labo. Du coup, une cinématique. Pikachu! C'est cool, en fait, ils ont fait une histoire avec tous les persos. Ils font des allusions au jeu en plus. Vraiment, ils ont bien géré pour notre histoire de Smash Bros. Il y a seulement chat qui vient de voir en jeu. Ok, du coup, on va prendre Pikachu, vu que je suis un petit peu mieux avec Pikachu. Ouais, tout ça, ça attaque très vite. Attends, on prend ça, voilà. Attends, est-ce que j'ai les deux? Non, je crois que j'en ai qu'un. Ok, du coup. Ouais, ces niveaux, je crois ils peuvent être un petit peu lents. Parce qu'en fait, que tu trouves tous les trucs. C'est des sortes de labyrinthes un peu. Labyrinthe des. Ouais, mais Absoli en vidéo là. Voilà. Dans ce colis. Attends, je fais cette attaque comme ça. Eh hey, mais l'attaque il n'a même pas fait là. Je t'ai pas fait Fatal Fool, mais tu l'as. Fatal Fool n'a pas mis. Ok, du coup. Ok, on peut continuer. La flèche lui est allée à droite. Je me fie à la flèche, hein. T'as encore un coup de ça. Voilà. Ah, oh, une Pikachu, une bonne attaque là pour attaquer les ennemis. Ah d'accord, on n'était pas obligé de tous les battre. Oui, quand on était obligé de les battre. Bon, qu'est-ce qu'elle veut là, Mitsu? Qu'est-ce qu'il veut? Non, Trapsui, qu'est-ce qu'elle veut? Non, c'était pas ici, fallait aller. Bah, écoute. Ah non, fallait une clip ou ici, d'accord. Qu'est-ce qu'elle veut? Bah, je sais pas qu'est-ce qu'elle veut. Là. Elle miaule, mais voilà, elle dit rien. En même temps. Putain, j'ai cru qu'elle allait toucher ma plug de mon chargeur de téléphone. Parce que oui, j'ai fait charger mon téléphone portable. D'accord, donc ça nous demande d'aller par ici. D'accord, là, faut aller. D'accord, on a mis un disque. Est-ce qu'il faut aller par ici? Là, je vous disais, voilà, c'est un petit peu une sorte de labyrinthe. D'accord, là il faut retourner ici. Une chance qu'il y a des flèches parfois pour nous aider pour dire genre fais demi-tour. Parce que sinon c'est impossible. D'accord, ça nous demande de revenir ici. Ah, donc ça. La plateforme qui s'est déplacée, quelque part d'autre, ce qui veut dire. Ah, là il nous demande d'aller par ici. D'accord. Ah ouais, la plateforme est là. Ouais, vous pouvez dire en commentaire si vous avez
et le niveau avec Samus en combinaison et Pikachu. Moi, bon, je suis pas vraiment fan parce qu'en fait, voilà, c'est genre des labyrinthes. Même Maxi Gaming a eu de la misère. Non, assez, genre des niveaux. D'accord, genre une petite plateforme comme ça va devoir se battre. Ok, ça va. Allez. Ouais, pourtant, moi en fait, quand j'étais gamin, j'ai pas tant galéré que ça dans ces niveaux. Vraiment, les niveaux que j'ai vraiment galéré, c'est soit dans les niveaux finaux. Les niveaux finaux où il faut sauver tout le monde. Soit que bah, c'était le niveau avec Fox et Diddy Kong dans le début du jeu. Ok. Ok, là faut monter. Ah, ça va. D'accord, ça me demande de monter ici. Oui, c'est par ici. Par ici ou c'est de l'autre côté? D'accord, il y a plein de Voltorb qui tombent. Bon, c'est pas vraiment des Voltorb. Quoique. Non, les Voltorb, c'est pas de cette couleur-là. Là, je sais pas, ce qui sent inspiré de Voltorb, ça vient vraiment d'un vrai jeu. Parce que franchement. En fait, moi, quand je te dis, en fait, je le comparais tout le temps ce truc pour un Voltorb. Voltorb qui est un Pokémon. Première génération. C'est un bitant. Non mais allez, on est trop haut là. Pas juste, ils vont se doubler. Ça va, ils sont pas en train de se multiplier. Ça c'est bien. Ok. Une vie qui sert à rien. Ah, fais attention à ce truc là, si ça nous touche, ça explose. Attends, Pikachu peut les faire exploser à distance. Ah, c'est bien faire des Pikachu. Ah, des ennemis en métal. Mais bon, c'est pas vraiment un problème, c'est juste que quand on les frappe, ils vont pas se faire éjecter. Voilà. Qu'est-ce qui est plus puissant? Le métal ou le géant? Réponse, le géant. Ok. Ah! Ah, ça va! On a réussi le niveau. En 8 minutes. Ah, franchement, je m'entends de moi. Ok, du coup. Trop mignon, Pikachu. Oh, le costume de Samus. Mais comment le costume de Samus a. Et apparu là. Je sais pas. En tout cas, Zero Suit Samus argent en équipe. Pikachu argent en équipe. C'est parti, on va aller. The Lake Shoal. Donc le lac Shoal. Quoi, on a Kirby. Ah, il y a Zelda. Ah, bah Zelda va se. D'accord, Zelda se fait tuer direct. Ah, le truc. Ah, le truc des ténèbres. Trop badass. Ah, il va prendre la forme de Zelda. Ah, et en plus, il y a Link. D'accord, donc là, ils vont essayer de tuer Link. Ah ouais, si on aurait sauvé Peach, dès le début, les deux Zelda, ça aurait été Peach qui aurait été là. Qui aurait essayé de tuer Mario et Peach. Vraiment, les cinématiques sont vraiment différentes. C'est ça qui est stylé, c'est genre... C'est un peu comme un Undertale sous Doki Doki, là, genre... Le truc, les cinématiques vont changer dépendant de tes choix. J'essaierai d'avoir toutes les cinématiques, voilà, comme défi par moi-même. Tout seul. D'accord, du coup. D'accord, on a juste deux vies. Bon, on a juste deux essais. Non. Ah, attends, je crois que mon chat veut sortir. Là, je vais juste ouvrir la porte. Allez, sors. Ah, tape la porte si tu veux rentrer. Ouais, genre, un mec qui parle à un chat comme ça. Ouais. Ouais, je sais, j'aurais pu mettre la vidéo en pause, mais bon. Du coup, on va devoir affronter Zelda.
on va dire Zelda Maléfique, je sais pas, je sais pas. C'est dommage qu'on peut pas. On peut pas être deux en même temps, genre au lieu d'avoir deux vies, genre Mario combattrait avec nous. C'est dommage qu'on peut pas. En tout cas, Pete a complètement wrecked Zelda. Ouais, en plus, Link voit Zelda comme ça, voilà. Il disparaît. Boum. Ah ouais, du coup, combat. Pete, Mario, quand Link et Yoshi, pauvre Yoshi qui va devoir affronter Mario. Ah, je peux pas prendre Mario. Ah, on va se combattre ensemble. Ouais, Mario est dans notre équipe. Ça me semble c'est un 2 contre 2 ça. Ou c'est 1 contre 2. Non, je crois que c'est 2 contre 2. Ouais, voilà. Ah, je n'ai pas de vie supplémentaire, du coup si je meurs, ben je meurs et je laisse Mario s'occuper des trucs. J'espère que Mario est bon. Hein. Dommage parce qu'en fait dans le mode aventure il y a quand même des bons terrains de combat ici. Ce terrain aurait été pas mal. Pareil pour le premier terrain du début de jeu. Ok, Mario s'occupe de Zelda, moi je m'occupe de Link. Moi je m'occupe de Yoshi. Putain. Allez Yoshi, meurs. Non. Ouais, Yoshi est mort. Il reste Link. Ouais, Link. Allez, Link. Allez. Arrête de fuir. Arrête de fuir. Bats-toi comme un homme, Link. J'étais ça, moi, les. Il se dit en fait qu'il fuit. Ça donne juste plus de difficultés à les battre. En tout cas, on a gagné. Didou encore. Il y a Peach. Oh putain, ok. Ouais, il y avait juste Kirby qui est juste genre, what the fuck. D'accord, elle a libéré tout le monde. Même cette cinématique aurait été différente, je crois. Genre, ça aurait été Peach qui aurait tiré si on a pris, si on a sauvé Peach. Ok, du coup, quel perso on prend? Putain, on en a 5 là. Moi je prends Pete, après je prends Link. Attends, je peux pas annuler un choix. Ouais. Attends, je prends Kirby, après je prends Pete, Link. Non, ça appuie trop vite. J'ai l'impression que parfois, voilà, ça fait genre 2 tapes pour le 1. Je vais prendre Mario, pas Yoshi. Bon, pas grave. Ouais, je vais pas prendre Yoshi, moi je vais prendre Mario. C'est pas grave, on va devoir faire sans Mario. De toute façon, c'est presque même pas sûr qu'on va les utiliser. Ok, du coup, non, du coup, est-ce qu'il y a des... D'accord, il y a des moyens. Fuck. Ok, du coup, il y a des bandes. Oh, le mec s'est suicidé, bravo. Ouais, plein de mecs en... Non mais sérieux, c'est en train de se suicider là, c'est pas possible. Bah, je sais que c'est cool, ouais je vais gagner, mais en fait c'est trop facile là, si tout le monde tremble simplement. Y'a plus de challenge dans le jeu, là, c'est pas possible. Du coup. D'accord, ces trucs là pour pas faire exploser le truc. Voilà. Au moins on l'a fait exploser. Ok, le mec. Ah, c'est encore. Ah, je déteste cet ennemi. C'est genre, il lance une bombe et après il s'en fout. Je déteste ce genre d'ennemi. Qui fuit. Et qu'en plus il t'attaque. À cause qu'il fuit, t'arrives pas à le rattraper pour le refrapper. Allez, Kirby géant. La
transformation, elle servait à rien. Ok, ce truc peut pas nous écraser. Ok. Il me semble en jeu, si on se fait écraser par un truc, on se fait automatiquement one shot. Ok, du coup. D'accord. Ça vient d'en haut. Ok, ce truc, je pense que ça peut tomber. Ah bah voilà, simplement, je ne marche même pas sur le truc. Non mais non! À cause que j'avais le truc, genre je pouvais même plus avancer. Ça c'est injuste. Et du coup on est avec Pit. Mais c'est impossible. Ils auraient dû faire en sorte que simplement, bah voilà. Genre tu peux le recracher facilement. Ok, du coup. Une sorte de mine. Je vais prendre Kirby, Pit, Link, Mario. Voilà. Bon, du coup, on va descendre. Ah, ces ennemis aussi sont quand même assez chiants. Bon, au moins, ils sont pas, peuvent pas se régénérer, mais quand même assez puissants. Hop. Du coup, il y a un truc ici, on va voir c'est quoi. Ok, plein de bouffe qui ne sert à rien. Vu que quand on l'attrape, on a tout nos vies. Bah, aucun dégât. Parce que c'est pas des PV là, c'est un pourcentage de dégâts. Plus ce pourcentage est haut, plus tu vas te faire éjecter plus vite. Ah, bah, maman qui est en train de faire pip 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 pip. À tous les 9h23. Mais je m'en fiche, je veux pas l'éteindre. Je vous dis, je veux pas l'éteindre. Ah, je crois qu'il faut qu'on prend genre le bon. Allez, on essaie. Oh, c'était le bon. Pendant un instant, j'ai cru que j'avais eu faux, que c'était lui du milieu en fait. Ok, du coup. Les poissons et les poulets. Là, je compte en fait le nombre d'ennemis que je déteste dans le jeu. Ok. Voilà. Ah, du coup, une porte dorée, ce qui veut dire que le niveau est fini. Waouh, ça a été rapide. Ok, du coup, il y a Kirby qui regarde un chat. Oh, le vaisseau. Merde. Ok, du coup. Ah, une autre thématique. Donc, Bowser. Ah, Bowser travaille avec Ganondorf. Ah, merde. Ganondorf, oh putain. Ganondorf et Bowser font équipe. Eh ben écoutez les gens, ce que je propose, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Donc n'oubliez pas, si vous avez une vidéo, un pouce bleu, puisqu'on tient à ce plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas fait, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Et bye.